Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF et nous retrouvons pour notre 13e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version platine, Pokémon Platine Evolution Randomizer Challenge. Dans le dernier épisode, pas grand chose. On a juste été à Bonville et on va changer la personne qui va avoir le fameux multi-XP, parce que multi-XP m'a beaucoup, pour vous dire, parce que ça permet d'augmenter Mouni à un niveau quand même assez correct. Et on va faire pareil, on va utiliser une nouvelle fois pour le mettre sur un autre Pokémon. Et on va le mettre sur Samai. Enfin, j'hésite à le mettre sur Samai ou sur Mea. Je vais le mettre sur Samai pour que quand même qu'elle gagne un petit peu de points de vie. Un petit peu. Parce que pour moi ça va être mon tank. Moi mon but c'est de tank en fait celui-ci. L'entité de la pension dit que les Pokémon évoluent à leur rythme. D'accord, si tu veux. Et donc on va à Bonville. Mais qu'y a-t-il à Bonville, vous allez me dire? Il y a des ruines. Qui se trouve quelque part par là. Alors ici il y a la pension, je crois, c'est ça. Pension, sauf que une des règles importantes c'est qu'on ne peut pas utiliser la pension, donc elle ne me sert absolument pas à grand chose. Et donc on va se diriger vers les ruines. Qui doit être par là, je crois. Ah, il y a quelque chose ici. Intéressant. Je vois ce qu'il y a en fait, parce qu'il y a des trucs intéressants ici. Ton Pokémon est bizarre de nature. Tu sais que le Pokémon d'un Pokémon influence son évolution, excusez-moi. De Pokémon anciens vivent dans cette région. On raconte qu'il y avait de grandes fermes de Pokémon par ici. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Non. On a fait le tour. On a fait le premier tour. Donc il faut aller faire le deuxième tour. Qui est celui-ci. Voilà. Parce que normalement il y a une cité à récupérer ici. Tu peux personnaliser tes Pokémon en appliquant des sauts. Oh, tu n'as pas de boîte saut. Et ben voilà pour toi. La boîte saut. Te manque que des sauts. Voilà pour toi. Voilà comment fonctionnent les sauts. D'abord connecte-toi à un PC de l'entre Pokémon. Sélectionne ton PC et puis réapprends Capsule Ball à partir du menu du PC. Ensuite, choisis une capsule et décore-la avec des sauts. Dès que tu auras fini, applique la capsule à une de tes Pokéballs. Tu verras le résultat en utilisant le Pokémon qui est dedans le combat. D'accord, si tu veux. Le Pokémon des ruines ressemble beaucoup aux lettres d'un étrange alphabet. Je les adore, mais je suis trop petit pour les capturer. Au lieu de ça, j'essaie de déchiffrer des caractères avec des sauts. Montre-moi des Pokémon en forme de lettres et je te donnerai des sauts. Donc j'imagine que les Pokémon en forme de lettres, c'est des arbres. Je fais que spéculer, mais je pense que c'est ça. Ce serait pas logique si ce n'est pas ça. Par contre, il faut qu'on aille voir les ruines, mais elles sont où les ruines? Ah, ici. Elles sont ici, les ruines. Les ruines Bonville. Il n'y a rien ici. C'était quoi ça? Mais en haut à droite. En bas à gauche. En haut à droite. En haut à gauche. En haut à gauche. En bas à gauche. D'accord. Ici, voilà. J'ai entendu dire que la capsule anti-brume se trouvait dans les ruines. Mais tout se ressemble ici, j'ai fini par perdre mon chemin. J'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Je sais, moi j'ai trouvé. C'est pas ici. Là ça va être du chercher l'erreur. Pour te chercher la bonne solution. Voilà, donc là on a la bonne solution. Ah! Un dresseur! Des ruines antiques hantées par les Xarbi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive pas à percer ce mystère, et ça me met de mauvaise humeur. Et je veux te combattre. Si tu veux. Swimmer Max, tout doudou. Pokémon inutile. Contrairement Zaemon, mon Pokémon inutile. Donc on va mettre Avalanche. Grimace. C'est cool. Vitesse du monde Zaemon boost beaucoup. Avalanche. On va voir tout doudou, qui est l'évolution, la pré-évolution de Rondoudou. Normal, hein, vous allez me dire. Arcanos, je sais pas ce que c'est.
Arakdo, je connais pas. Pokémon bizarre. Attaque bizarre. Décroix. Ouh, ça fait mal. Avalanche. Mon petit perso, j'y crois pas du tout. Ah bah avalanche, c'est quand même le tube, c'est tant mieux. Tant mieux. J'ai envie de dire. 140 points d'expérience, Samaï Saba, 140 points d'expérience. Bekipan. Bekipan, c'est la petite boîte, je crois. Ah non, c'est le gros machin. Méga sensu. Au revoir. Ah, Bekipan, tu te tues pas. Ok. Anneau Hydro, si tu veux, tu vas soigner un petit peu tes. Ok, si tu veux, restore tes PV si tu veux, ça me dérange pas. Tant que tu me dis restore pas complètement, c'est bon. Lance soleil. Allons-y. Lance soleil. Bouh. Hydrocanon. Contre un Pokémon plante. C'est pas utile. Rien du tout. Allez. Voilà, anneau hydro, parfait. Et on a utilisé de lance soleil. Wow. Voilà, au revoir Bekipan. Ça c'est pas. Monzaimon, Samus Samba, montre au niveau 18. On a battu Swimmer Max, parfait. Et on va mettre Software en premier, tiens. Software, puis Monza en deux, enfin puis Mouni en deuxième. Les deux autres Voltali seront à côté. Maintenant, faut que je trouve ici. Ce n'est pas ici. On peut continuer. Ici, c'est pas ici, donc c'est de l'autre côté. Ici, peut-être. Non, ce n'est pas ici, donc j'imagine qu'il faut remonter là-haut. Ici, il y a quoi? Il n'y a rien. Ici, il n'y a rien, donc c'était en face. Ok, donc encore plus. J'imagine ici. Ce n'est pas ici. On se perd. Donc c'est. Ah, c'est ici, tiens. Amitié. Toute vie rencontrée et une autre vie pour renaître. Et rebondir. Oh! Pokémon! Zarbi! Bonjour Zarbi! Et si je peux te barrer, si je peux me barrer, ce serait cool. Voilà. Parfait. Donc là, c'était la C50 Anti-Brume. Pépite, qu'on pourra pas revendre. Blizzard en sang, je pense que c'est un truc qui est cher donc on pourra pas le vendre. Et plaque esprit, qui est décrit à la plaque obtenue. Cette plaque contient le pouvoir des géants vaincus. Mais plaque esprit dans le même poche objet. Au revoir. On a notre CS, on peut partir. Normalement t'as un truc pour aller de l'autre côté. Non. On va repartir, donc maintenant il faut repartir par là. En fait, en y réfléchissant, c'était un truc assez simple. Hein. Parce qu'on faisait que monter. On faisait que monter et descendre, donc finalement ça allait. Ok, Abo, si tu veux, ça me dérange pas. Software, ok, si tu veux. On s'en fiche. On veut monter. Mais je sais qu'il y a un endroit pour monter là-haut. Mais je sais pas comment. Enfin, qu'on me. Si vous avez la réponse en commentaire, je vous la voudrais bien si ça vous plaît. Si ça vous convient, bien sûr. Ici, on a quoi? La dépêche Pokémon. Recherchons pro de la capture. Intéressant. Oh, salut Coco,
Tu as vu notre annonce de recrutement à l'extérieur, c'est ça? Mais c'est un Pokédex, ça. Ça veut dire que tu dois connaître le Pokémon Sorbier. Professeur Sorbier, nous cherchons justement quelqu'un qui sache lister les Pokémon. Je veux que tu m'apportes un Primplouf. Il me le faut aujourd'hui, sinon notre brique tombe à l'eau. Je te donne une écaille de cœur et des Pokéballs en échange, mon coco. Journal de la région de Sinnoh est pas épais, mais il a de nombreux frans. Il est imprimé ici. Bon, on a fait les ruines. Par contre, si vous avez, comme je dis, si vous avez le chemin pour aller là-haut, je le veux. Donc, si vous pouvez me le donner rapidement après, en épisode secret, hein, si vous avez me... Donc, je le ferai soit en off, soit en in, ça dépendra de ce qu'il y aura, mais en tout cas, on fera avec. Voilà, à une prochaine fois peut-être. Parfait. Et donc, on va se diriger vers l'autre tour. On allait dire les deux tours, c'est Monville, les deux tours, on pourrait appeler ça. Puisqu'il y a les ruines et il y a la tour Pokémon, enfin une sorte de tour Pokémon, sur laquelle on va se diriger. Qui est très triste d'ailleurs. Ceci est la tour perdue. Plus on monte, plus le brouillard s'épaissit. Si tu n'as pas la capacité anti-brume et que tu n'as rien à faire ici, inutile de monter. Ouais, maintenant on va reprendre quand même un peu correct. On va prendre vœux soins. Voilà. Et tada, c'est plus utilisé vœux soins et elle apprend anti-brume. Et comme vous l'avez compris, c'est aussi pour les combats dresseurs. Ah, un fantôme battant. Aidez-moi mon équipe. Si tu veux. Yeah. Piyako! 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 La voix quoi. Rien de signal. Piyako! J'adore ce Pokémon parce que ce cri est tellement bizarre. Piyako! Rien de signal x2, normalement ça va le faire. Parfait. Piyako! 228 points d'expérience chacun. Cool, but ok. Qui est un Pokémon, what the fuck? Cool, but ok. Bon, allez, rayon signal. Et qui devrait le tuer? Mais vu que c'est un sac à PV, ça m'étonnerait pas que ça le tue pas, voilà. C'est très efficace, mais ça le tue pas. Normal, ligotage. Ligoté par Pubultoké, donc là j'imagine que je vais perdre pendant 3 tours un petit peu de points de vie. Et Rio signal, au revoir, monsieur Kilbutoké. Donc on gagne 387 points d'expérience, ça m'a également. Et c'est tout, un polichombre, je connais pas ce que c'est. Polichombre. D'accord, ça va être un Pokémon what the fuck. Que je connais pas là non plus, donc si on peut m'expliquer d'où il vient, ce serait cool. Pas très efficace. Polichombre utilise ténèbres qui est une attaque assez puissante normalement. Voilà, c'est pas grave, c'est pas très puissant, mais ça va permettre quand même de la sauvegarde de gagner un petit point, peut-être un petit niveau, peut-être à partir d'un moment. Faitons que tu gagnes un niveau, ça va être un 16 points, ça va être un 16 points, et c'est tout. Parfait. Je suis venu à la tour perdue à la suite d'un pari. Maintenant, je dois arriver au sommet et utiliser anti-brume là-haut. Pierre ovale. Et je crois que c'est un truc très cher. Je sais plus. On continue. Donc, on va utiliser anti-brume. Utilise anti-brume. Et voilà, nous voici correctement. Et on va affronter tout le monde. On m'a volé mon Pokémon. C'est la Team Galaxy qui a fait ça.
Depuis, je n'ai pas pu oublier leur visage. La Team Galaxy ? Encore ? Tu vas me dire qu'on va les rencontrer ? Où ça craint si on les rencontre ? Où ça craint ? Avec un Pikachu, donc. Donc, on rencontre un Pikachu qui a des yeux à moitié orbités. Et on va utiliser rayon signal. Allez. On va Pikachu. Ça c'est fait. 201 points d'expérience. 201 points d'expérience. Ça me va. Qui monte au niveau 19. Elle tourne à prendre trou noir. Je sais pas ce que c'est, donc on va voir. Trou noir, ténèbres. L'emblée, sommeil. C'est un truc pour sommeil. Ouais, on peut remplacer écrase-passe par ça, c'est pas très utile. Donc la prend trop noir. Vous avez battu Summer Wayne, donc c'est bon. Est-ce qu'on peut récupérer un truc à récupérer ici, mais je sais pas comment faire. Il y a une façon d'aller là, mais je sais pas où. Ah bah c'est là, parfait. On trouve un rappel qui est toujours utile. On va monter. Ah, un truc, un Pokémon, c'est quoi? C'est un Wattoplasma! Oh putain, je le veux, je le veux. C'était justement le genre de Pokémon que je voulais. Alors maintenant, faut juste que je ne le tue pas avec un rayon signal. Non, on ne devrait pas le tuer, mais qu'il devrait quand même bien l'épuiser. Ah non, c'est même pas très efficace en plus. Détritus. Qui est très très efficace. Mégacore. Point ombre. Mais ça va me tuer software. Non. On va aller prendre Voltaire rapidement. Pour bien l'épuiser. Et puis après, essayer de le capturer. On va mettre Bomber à nouveau. Voilà, encore un petit Bomber qui devrait suffire. Quoique je pourrais peut-être commencer à le capturer avec avec justement une Super Ball, peut-être. Voyons. Eh fuck, j'imagine bien que c'est pas suffisant. Détritus. Un truc qui empoisonne quasiment obligatoirement. Ça c'est cool. Bomber à nouveau peut-être. En espérant que ça le tue pas. En espérant que ça le laisse un petit point de vie. Ah parfait. Donc on va essayer de voir Griffombre. Si tu veux. Souffre du poison en plus. On va essayer de le capturer. C'est le dernier objet utilisé. Super Ball. Allez, Super Ball. Capture-moi ce Ectoplasma. Fuck! Ah bon, bah c'est mort. Au revoir, Voltali. Oui, utiliser notre Pokémon, Mooney. L'ennemi est faible, attaque Mooney. Sauf que tu vas pas attaquer parce que tu vas juste servir en fait à que j'aille ce Pokémon. Parce que ça m'intéresse ce Pokémon depuis assez longtemps. Donc, voilà, hop. Eh, mais tu vas pas y arriver? J'imagine qu'il veut me troller, donc on va essayer de prendre une Pokéball. On va voir si ça fonctionne avec une Pokéball et pas une Super Ball. Non, ça suffit pas, imagine. Putain de merde! Toxique qui m'ont obligatoirement empoisonné. Vas-y, si tu veux, tu vas m'empoisonner tous tes Pokémon, vas-y. Comme si j'avais que ça à faire. Donc, on va reprendre une Super Ball. Quoique, une Honor Ball peut-être. Ce qui est bien, c'est d'avoir une sombre boule, mais... Parfait. Avec une Honor Ball, ça marche. Parfait. Ectoplasma est attrapé. Et donc... Je vais mettre encore une fille, hein. Ça va être encore une fille. Je crois qu'il y a qu'un seul mec, en fait, actuellement. Puisque c'est encore une fille. Et on va mettre...
Une personne que j'ai rencontrée, enfin que je. À qui je parlais récemment et que j'aime bien, donc on va le mettre, c'est Listen E. Ali. Listen. Ça va être difficile quand même. Hein. Listen. En plus, je pourrais mettre exactement son nom, c'est parfait. Listen. Et voilà, Lissani. Pour l'instant, on va soigner le Pokémon parce que là, il nous a quand même fait mal. Hein. Il nous a quand même fait mal ce petit ectoplasma. Donc, on va remettre des rappels. On va rappeler à la vie notre cher Voltali. On va. Est-ce qu'il n'y a pas d'anti. Il n'y a pas d'anti. Merde. À mettre une super potion sur software. Super potion sur Voltali. Et sur Mouni, même s'il n'y a pas trop l'utilité. Et voilà. Un autre Pokédresseur. Je ne peux pas l'expliquer. Être ici me pousse à me battre. Si tu veux. Ah en plus, j'oblige pas. Un Pokéfan, c'est clair. Donc, software. Rayon signal. Et pas l'antifrice. Mais sortir au moins une fois par épisode cette blague. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, on gagne 310 points d'expérience. Niveau 30 pour software. C'est parfait. Et ça me va. Voilà, ça me va, 23, 70 points d'expérience. Boudrive. On va pas changer. Et on signale. Pas très efficace. Onde folie. Ouais, vas-y, mets-moi confus. Métronome. Bol. Quoi? Bol graine, c'est ça? Babil. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette attaque? Babil. Ok. 6 coups de boule. Voilà. Au revoir, Beaudrive. Ah, je suis blessé par le boom final. Ok, 258 points d'expérience. Ça va peut-être gagner un niveau, pas encore. Prends plouf. Métronome. Pouvoir antique. Ultrason, vas-y, remets-moi confus, comme s'il n'y avait pas besoin d'être confus encore une fois. C'est pas grave, métronome à nouveau. Allez, sauf qu'il utilise métronome. Et utilise chatouille. Ça baisse attaquer la défense, c'est tant mieux. Raflou utilise Giclédo. Le même truc que Mouni, sauf que là, ça va me blesser, ça va mourir. Ça va me faire mourir, ah pas encore. J'ai de la chance. Rayon signal. Avec la défense qu'il a, normalement ça devrait suffire. Voilà, parfait. Rapploufé KO, 336 points d'expérience. Ça m'a également, elle monte d'un niveau, pas encore. Je pensais qu'elle montait. Hein, qu'est-ce que je faisais? Ah, d'accord, si tu veux, ça ne me dérange pas. 1408 points de Pokédollar plutôt, excusez-moi. Encore un brouillard. Par contre, faut qu'on utilise la capacité anti-brume de Méa. Alors, Méa, anti-brume. Utilise anti-brume. Et voilà, on est revenu pareil. Allons-y. Je t'ai oublié à peine. S'il te plaît, bats-moi contre moi. Bats-toi contre moi. Pff, si tu veux. Ça te dérange pas. Et donc, on continue. Avec une demoiselle. Avec un monsieur mime. Entre mon software. Qui est presque mort. Donc on va mettre rayon signal.
très efficace, donc normalement ça devrait le tuer. Parfait. 304 points d'expérience, ça m'a également. Ça m'a monte au niveau 20. On a battu Swimmer Max. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, un combat de dresseur à deux. Peu importe l'endroit où nous sommes, si tu as des Pokémon avec toi, tu vas devoir te battre. Mon Pokémon est très fougueux. Laisse-moi te montrer à quel point. Si tu veux. Je sais pas si tu veux, je pense. Ça va être la même phrase. Gravalanche et Tortank. Donc un Pokémon roche et un Pokémon eau. Bon, bah Mounich, c'est déjà ce que tu vas faire. Quant à Métronome, moi je mettrai Métronome déjà sur Software. Et l'autre, Gicledo sur Gravalanche et Tortank. Zénith. Si tu veux, ça me dérange pas. Ça va pas changer grand chose. Gicledo. Oh bah Gravalanche. Voilà. Gravalanche, au revoir. Voilà. 330 points d'expérience. Saumur. Qui fait pas grand chose. Par contre, ce fouet. Non, rien du tout. Parce qu'en fait, c'est sur mur ce que tu rends. Voilà. Bon, voilà. Ce fouet du poison. Rétronome software. Pendant ce temps, tu vas me mettre Okazuka sur Tortank. Non, ça va pas très efficace. Mais ça baisse la précision, c'est tant mieux. Bulldo. Envers mon software, j'imagine. Qui va faire un tout petit peu mal, mais c'est pas trop grave. Pendant ce temps, les rayons du soleil sont forts. Souffre du poison pour Mouni. On va être rayon signal sur Tortank et Hydroblast sur Tortank. Rayon signal. Ça l'épuise pas. Hydroblast juste après. Saumur sur Noni, ça sert pas à grand chose. Hein. Bon signal de software. Ça suffit. Parfait. 258 points d'expérience. 77 points pour Samaï. Et c'est bon. Parfait. C'est des 27 Requiem. Ben, on l'a déjà. Ça veut dire qu'on a deux fois la cité du 27. Attends, reste sur moi. On l'a deux fois. Ok, si tu veux, moi ça me dérange pas, mais bon, voilà. Au moins, si tu veux Requiem, tu auras Requiem, c'est sûr. Hein. Fantominux. Pas mal. Mais qui n'est pas trop utile, donc on va pas servir à grand chose. On a déjà un ectoplasma. Que je pense que je vais mettre dans mon équipe quand j'en aurai besoin. C'est-à-dire un petit peu plus tard, je pense. Un peu, un des Pokémon duo, attention, allons-y. Je ne peux pas me ridiculiser encore, pas devant ma petite amie. Je ne veux pas encore en avoir l'air ridicule. Pas devant mon petit copain. Si vous voulez. On arrête le pour info, on arrête l'épisode quand on aura terminé cette tour. Donc ce sera un épisode un petit peu plus long. Corbos et Gagnéa contre Software et Mouni. Rayon signal sur Gagnéa. Et Hydroblast sur. Non, pas Gicledo sur le reste. Rayon signal. Normalement, ça devrait tuer Kaknea. Parfait. 118 points d'expérience, 118 points d'expérience, 288. Gicledo maintenant. Rapace. Ouh, ça va faire mal. Ouh, ça va faire mal. Au revoir, Mouni. Ce n'est pas grave. Donc, on va prendre la place Monzaimon. Et on va mettre Métronome sur Software et Avalanche
sur Corbus. Recyclage, mais ça avec Chou. Rapace, encore une fois. Normalement, attends, Rapace, normalement, on devrait attaquer devant le... Devant le... Oh putain. Putain de Corbus de merde. Ok, ça pourrait être KO. Avalanche. Demande Zaimon. Qui devrait tuer normalement Corbus. Voilà. Pas d'expérience. Ça va et ça me va. Monte au niveau 21. Et on a battu les deux. Le couple. Le Landwork couple. On va y aller. D'ailleurs. Donc c'est bon. On a battu tous les personnages ici. On va monter à l'étage supérieur. Si on peut, bien sûr. Et on a un Spwink. Qui sert absolument à rien. Et quand je dis qu'il sert absolument à rien, c'est genre Pokémon. Je comprends pas à quoi il sert. Donc on va fuir. Et donc ce qu'on va faire en tout premier, c'est essayer de soigner nos Pokémon quand même. On va essayer de soigner Software, donc et Mooney. Donc soignons nos Pokémon avec des rappels. Pour Software. Pour Mooney. Et soignons-les avec Disper Potion. Pour Mooney. Et pour Software, il faut juste que j'aille sur Software. Et pour... Mais c'est pas possible. Pour Software. Voilà. Donc maintenant on peut y aller, on peut remonter. Avec encore un... C'est un des derniers étages. C'est le dernier étage de notre tour, donc on va bientôt s'arrêter là. Anti-brume. Oh, le brouillard s'est envolé et tous mes doutes avec lui. Tiens, pour te remercier. Ne prends pas si vite. Une rude sort. Ok. Tu mets rune sort dans la poche objet. Cette chiméra, difficile de savoir ce qu'elle pense. Mais elle a bon cœur en tout cas. Elle vient régulièrement. Laisse-moi t'aider à sortir de cet endroit sans comprendre ceci. Une rune purifiante. C'est la tour perdue que repose les âmes des Pokémon disparus. Ceux qui ont vécu longtemps, ceux dont la vie était courte. Tous peuvent trouver le repos ici. Mais on va pas utiliser, on va utiliser justement ce qu'on existe. Ce qu'on a toujours dans une grotte. On peut toujours utiliser une corde sortie. Ah, on peut pas utiliser. Ok, donc il faut redescendre. Il faut redescendre avec. Donc on va aller prendre la rune purifiante. On va prendre la rune purifiante pour Mia. Et on peut partir. On n'a pas de Pokémon entre deux. Et quand on sera parti de la tour, on s'arrêtera. Donc c'est parti. J'ai deux fois parti dans la même phrase, mais c'est pas grave. Là, j'utilise pas l'anti-brume hein, parce que c'est pas très utile. Parce qu'on voit quand même assez rapidement quel chemin il faut emprunter. Ici, il faut aller là. Remonter là. Hop. Prendre là et hop là et il y a et il y a et il y a et ici. Voilà. On peut reprendre là et on prend ici. Et voilà. Alors est-ce que... Ah, il y a un Pokémon. Qu'est-ce que c'est? C'est un Scorbol, un Scorplan qui n'est pas utile. Donc on va partir après et on sera parti de cette tour. Et on s'arrêtera là. De toute façon, pour info, je reviendrai à Bonville un petit peu plus tard dans la partie. Hein, donc, par rapport à la ruine, je ferai selon ce que vous me dites pour monter là-haut. Parce que j'ai envie de récupérer en fait tous les objets. Ce serait cool de récupérer à peu près tous les objets qui peuvent exister. Enfin, dont je me rappelle. Donc voilà. Donc on est à Bonville. On s'arrête là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. C'était GF. Stay tuned! Yeah.